Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors pour notre aventure sur Planet Base, du coup on va continuer un peu notre aventure, notre développement. Je sais plus trop où j'en étais, ouais. Oui, j'avais lancé une troisième mine. Du coup c'est pas mal. J'aurai un peu plus de minerais, mais je crois qu'il faut que je lance... ça c'était quoi? Ça c'est ce qui me permettait de faire ça. Pourtant j'en avais deux. Mais j'ai pas assez d'ouvriers en fait. C'est ça. Ce qui me manque, c'est des ouvriers. Il faudrait une dizaine d'ouvriers en plus. Ouais. Mais du coup, je pense que je vais lancer un exode de masse là. Pas un exode, une recherche de personnel. Mais avant ça, je vais peut-être développer. Continuer à développer. Parce que là. Hop, accélérer un peu. Là on a ça. Là c'était le bar. Là j'ai encore un entrepôt. J'ai un truc pour manger ici. J'en ai un deuxième qui est là. Un dortoir là, un dortoir là. J'avais dit un truc là, on commence à partir par ici. Est-ce que. Construction externe, je peux encore mettre une mine juste comme ça. Je vais voir. Non, normalement, je peux pas mettre de mine là, mais de toute façon, je peux continuer encore là. Je peux encore mettre une là. Je peux encore en mettre ici. Donc, ouais, je pense que je vais peut-être continuer à faire le tour là de la montagne au niveau des mines. Donc, là, c'est bon. Donc, j'aurai pas mal au niveau des cristaux. Là je suis comme ça, je pense que je vais continuer, mais je vais plus en mettre ici, je vais peut-être repartir ailleurs. De toute façon là, je peux partir là. Là je peux en mettre là encore, ouais. Si je dois faire les autres mines là, je peux même faire un sas qui permettra sûrement peut-être de repartir par ici. Là j'arrive dans un coin qui est comme ça. Mais là de toute façon c'est fermé. Donc là j'arrive à un coin. Je sais pas trop quoi faire. J'ai aussi les autres là, les chambres. Je peux essayer d'en mettre une petite comme ça, un endroit, pour voir. Juste en mettre une petite, en mettre une structure là, hop, et là c'est une petite chambre, donc il n'y a qu'un lit, donc en fait il n'y aura qu'une personne qui pourra dormir ici, si j'ai bien compris. Ça peut être sympa, pour au lieu d'avoir des dortoirs tout le temps là, où il y a une dizaine de personnes et tout, là si j'en ai un ou deux dortoirs, là je peux avoir un lit je pense, c'est accéléré, ouais c'est accéléré. Donc on va regarder ça. Hop, j'ai les autres qui arrivent. Le petit Gugus. Les petits astronomes là, ils arrivent. J'ai un sas. J'ai un sas là. Il va falloir que je refasse un autre sas quelque part. Parce que là, ils perdent du temps à faire tout ça. Si je pars ici, et là ça fait comment là? Ouais, je pourrais partir un truc, je sais pas quoi. Terminé? Terminé. Ok. Alors, toi.
là. Sup. On va refaire ça comme il faut. Hop. Ouais, c'est que pour pas grand monde en fait. Combien? J'en ai 2, 4, 5. Là, c'est pas mal. 5 lits. Ok. Donc une petite pièce avec 5 lits tranquille. Ah oui, ça pourrait être sympa, ça va changer. Ça va peut-être gagner un peu, je pense, au niveau du moral des gens. Là, ils pourront se reposer tranquillement. Au lieu de... Ouais, ça peut être bien, ça va gagner du moral. J'ai peut-être gagné un peu de prestige. Je sais pas. À voir. De toute façon, mais, comme je disais, là j'ai des mines. Si je continue à faire tout le tour de ça en mine, un sas, j'aurai pas assez. Il va me falloir un deuxième sas. Deuxième sas, moi j'ai le truc de sécurité qui est là. Ah ouais, c'est vrai que j'avais ça aussi. Il va falloir que je puisse construire, et bah toi. Qu'est-ce qui se passe en proximité de votre planète? L'antenne radio. L'antenne radio, est-ce que je la fais? Non. Je vais plus... Ouais, je vais la faire là. Vu que j'ai le système de sécurité qui est juste là. Est-ce que je la mets là? L'autre, ça fait quoi? 4. Puis, ouais, je peux partir des autres trucs, hein, l'observatoire, machin comme ça. Ou alors je la laisse là. L'antenne de sécurité, je peux la mettre là. Hein. Non, j'ai envie de continuer à mettre des mines ici. On va la mettre là. 4. Allez, une grosse antenne. Ça, si je dois mettre des réservoirs, je peux fermer les mettre ailleurs. Pour avoir de l'eau, etc. Des accumulateurs. Là, j'en ai assez dans le côté là. Il va falloir que je fasse ça ailleurs. Mais bon, de toute façon, au niveau électrique, c'est pas celui-là. Au niveau électrique, c'est bon. On consomme 121 et on produit 200. Oui, l'eau, on en consomme 10, on en produit 16. L'oxygène. 51 personnes et il y en a pour 80, oui, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah oui. Ça, c'est quoi? Porteur encore? Valeur 80, ça fait 108 moins, c'est trop. Un petit peu de viande, ça serait pas mal, parce que là je commence un petit peu à attendre. J'ai un alarme, je sais même pas pourquoi. Je vais voir ça. Plastique, c'est bon. 37 47 40 45. Ah, attends, j'ai supraconducteurs, ils ont une valeur de 40 et du coup attends, si je prends tout, voilà, 6 de viande. Bon, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà. C'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le bouton d'alerte machin. Là, ils vont construire l'antenne. Ok. Dans la foulée. Vraiment, laser anti-machin. Contact avec les vaisseaux passant en proximité de votre planète. Du coup, ça me permet peut-être de voir ce qu'ils ont, les navires marchands, avant qu'ils arrivent. Et là, détecte les catastrophes en approche, permet au laser anti-météorite de les viser et de les détruire. Ça, c'est intéressant aussi. Observatoire, on le met où? Télescope, je veux dire. Là, j'ai envie de partir par là. Là, j'ai envie de partir par là, ou alors on le laisse ici. Bah, juste là.
C'est pas grave, là. Après, de toute façon, tu... Non. Ah, mais je suis là. Mais oui, je vais le laisser là. Hop. Je vais faire un grand truc. Voilà. Chance d'intercepter les transmissions 50%. Ok, donc là on est bon. J'ai le télescope. De toute façon, j'ai besoin de gars qui sont ici pour pouvoir contrôler. Et c'est des. C'est des quoi qu'il faut? Terminal radio. Ah, c'est des ouvriers. Télescope, c'est des ingénieurs. Et de sécurité, c'est des agents de sécurité. Des agents de sécurité, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien pour le moment. Il faut que j'attende un petit peu que ma colonie grandisse et peut-être que quand j'aurai accepté des. Comment ça s'appelle? Des vacanciers, là, des touristes, peut-être un agent de sécurité. Peut-être que j'aurai un peu plus de monde, peut-être quand j'aurai une centaine de personnes, oui, un ou deux agents de sécurité, ça peut toujours servir. Bah tiens, j'ai mon télescope qui est là. Donc lui, il est là. Ah, et du coup, je peux lancer mon canon laser. Encore le vaisseau marchand, qu'est-ce qu'il me propose, lui? Oh, robot constructeur. Ouais, ça me fait 256. Quelque chose qui vaut 16. Tiens, 10. 15. Alors, 15, il me reste 25. Valeur de 10 encore. Ouais, 272. Pas déconner non plus. 80. C'est valeur de combien? De 40. Ah. C'est un peu trop cher là. Mais là, j'ai un télescope. J'ai une antenne radio. Bon, bah c'est bon. Oui, quand je disais, il me faudrait peut-être un peu plus de gars. Parce que là, je pense que c'est les ouvriers. J'ai pas assez d'ouvriers. Pas sec. J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas encore. Tempête de sable détectée. Ah, ok, c'est juste ça. Il me faudrait un peu plus de colons. Ouais. Voilà. Ah, mais oui, les alertes se font automatiquement, du coup, avec mon télescope. Mon radar et tout ça. Donc je peux avoir directement les trucs. Ça, c'est bien, ça. Tiens, qui c'est qui arrive, là? Médecin, j'ai pas vu. Attends, parce que là j'ai vu. J'en ai trois qui sont arrivés là d'un coup. C'était quoi? Des biologistes. Ouais. Mais moi, il me faut c'est des ouvriers. J'ai besoin d'un peu plus d'ouvriers en fait. Voilà. Si je peux avoir quelques ouvriers de plus, ce serait pas mal. Parce que là... Merde. Ah, je sais plus le bouton. Non. F2. Voilà. Parce que j'ai que 21 ouvriers. Bon, les médecins, j'en ai assez là. J'ai 6 médecins. Mais il me faudrait des ouvriers là. Que j'ai un peu plus de guerre un peu partout là. Ce serait pas mal. Activer la structure. Voilà, ça en est bon. Ça va me permettre de réparer un peu mes petits robots là.
Ah non, ils construisent les robots. Non. Donc j'ai pas besoin qu'ils me construisent des robots pour le moment. Mais j'ai l'autre là, oui. C'est quoi? Atelier permet de construire un robot d'être réparé automatiquement. Ah, c'est ça. Faux. C'est ça qu'il me faut. Ça permet de réparer les robots. Hop, ils vont là, ils vont construire ça. Les robots, ils vont pouvoir se réparer. Voilà. Ça c'est bien ça. Surtout que j'ai... alors c'est F2. J'ai combien de robots? J'en ai 3. Donc j'ai 3 robots... Ok, il faudrait un robot de constructeur et un robot de... foreur. Comme ça, ce serait pas mal. Mais je peux pas les construire en fait. Je crois. Qu'est-ce qui me manque? Nécessite une technologie. Et donc c'est... technologie. Ouais. J'ai des colons qui sont arrivés encore. Dis-moi c'est quoi qui est arrivé. Ça doit être des biologistes ou des ingénieurs qui sont arrivés. Mais j'ai pas d'ouvrier encore. Voilà. Voilà. Un peu plus d'ouvriers s'il te plaît. Ouais, donc j'ai pas encore la technologie. Bizarre. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout construit moi en fait. Laboratoire, j'ai l'infirmerie, j'ai l'entrepôt, j'ai. Il me reste mon canon laser là. Que je. Ah ouais, d'accord. Ah, il protège pas mal en fait. Je peux pas avoir une odue là. Je me fous quelque part par là en fait. Bon, je pense qu'on va laisser là. Mais avant j'ai fait un truc là avant. C'est ça. Port spatial. Plateforme d'atterrissage ici. Petite plateforme d'atterrissage et on va partir sur une autre plateforme, un port spatial. Et là, je peux faire que ça. Ouais. Du coup, on part sur un port spatial. Et je vais le faire. Je vais le faire ici. Pour ça on va continuer. Oh, réserve de nourriture faible. Oh. Ouais. C'est de la nourriture. Alors on a quoi là? On a du riz. Ok, ça c'est nourriture. Ok. D'accord. Merde, je me rappelle plus, ça c'est riche en amidon, riche en amidon. Attends, et eux ils étaient comment? J'ai le laboratoire. Ah, j'ai peut-être. Il faut que je fasse un peu le laboratoire. Ouais, il faut que je fasse les deux là. Il faut que je continue à faire ça.
Là, on avait quoi déjà? Sahari, tomate, laitue, petit pois, pomme de terre, oignon, radis. Champignons, ok. Ouais, là je commence à devenir un peu. Alors attends, on va arrêter tout de suite le machin. Voilà, faut que je remonte. Ça et je me fasse un autre laboratoire mais spécial viande. Donc on va le faire là. Alors il est où le laboratoire? Ah, il est là. Ouais, comme ça. Voilà, et là on va faire que de la viande. Accélérer. Là, il faudrait que je grimpe un petit peu au niveau nourriture. Parce que comme j'ai quelques personnes qui sont arrivées en plus. Ouais, donc avant, il faudrait que je gère la nourriture. Il faut que je gère la nourriture, donc on va faire ça vite fait. Comme j'ai dit, il me faut un autre sas. Le marchand, là, qu'est-ce qu'il me propose? Légumes, des repas, vers 5 de tout, ça fait combien? Ça fait 8, donc ça fait 3. Donc 24. Voilà. Et là, je vais faire pas mal de viande. Parce que là, je pense que je vais être un petit peu cric-crac au niveau nourriture. J'ai juste assez de nourriture pour ma colonie là. Donc, si je veux augmenter ma colonie, il va falloir que je fasse une autre serre quelque part. Voilà. Du coup, là, on va partir sur... Chicken, bœuf, tac.
Tiens, on en fait un sur deux à chaque fois. Tranquille. Voilà. Voilà. Ok. Je pense qu'il va falloir que je commence à. Oui. Allez, hop. Mon laser. Ça, je suis tranquille. Voilà. Allez, hop. Ça c'est fait. Allez hop, les légumes c'est bon, la viande c'est bon, ça monte, c'est reparti. Je préfère mieux avoir un petit excédent de nourriture que de me retrouver à sec. Là c'est bien, hop. Je vais juste voir un truc. Le sas. Là, je peux en faire un là, mais il faut mieux que je le fasse à partir d'ici. Il va falloir que je commence à construire des trucs là. Je sais pas quoi. J'ai mon laser, c'est bien. Ils ont faim. Il y en a qui ont pas mal faim. Il y en a qui ont besoin de maintenance. D'accord. Allez hop. La maintenance c'est ici. La fonderie. Ça, ça fait ça. Ça, ça fait ça. Voilà. Comme ça. Hop. Augmenter ça aussi. Je vais commencer à augmenter un peu ma cadence là. Augmenter ma productivité. Comme ça, je suis tranquille. Et bah, l'autre, je vais faire la même chose. Hein. Je vais peut-être même là. Comme ça, je suis tranquille aussi. Je vais mettre un machin comme ça et un machin comme ça. Hop. Voilà. Ça, on est bien. Ça, hop, ça permet de construire plus rapidement des choses. Là, il faut que je me concentre sur mes ressources. Donc, augmentation de mes ressources pour être tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre là à faire? Bon, bah là, non. Oh, il vient de tirer. Donc, je sais pas où il a tiré, mais il a tiré. Et attends, je vais sectionner. Donc, tu me dis que ça protège. Ah, ça protège que ça. D'accord. Ça protège pas là. Donc, je pourrais pas partir de là. Donc, il faudrait que je parte de là. Mais si je veux protéger ça. Ah, bah, c'est bon. En fait, c'est ça. De toute façon, je pourrais même pas partir par ici. Je pense pas. Donc, là, bah, là, c'est laisse tomber. Donc vu que je peux partir par ici, et bah on va partir par là. Hein. On va faire un truc qui s'étend ici. Bah zut, moi je voulais partir par là. Bah si on peut faire un. Si je vais faire une autre zone de stockage. Là, pas de stockage, une zone d'atterrissage. C'est bon. Ouais, bah de toute façon on va s'arrêter à là. Hein. Je vais développer ici, vu que ça se protège par mon laser. Je vais mettre quelques bâtiments là aussi, exprès pour avoir en fait un. Alors attends, je reprenne ça. C'était là. Ouais, donc il faudrait que j'augmente encore là. Que je fasse un truc ici. Et puis voilà. Sûrement un stock, j'en sais rien, un petit truc de stock, je sais pas, je verrai. Du coup, moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.